Déjà, la problématique de l'acquisition mobile, c'est qu'elle est difficilement mesurable. Donc déjà, la première étape, c'est déjà de faire une analyse, de voir quelle est la part effectivement de vente mobile, enfin, de trafic mobile qui en fait achète sur desktop. Déjà, faire une bonne analyse de ça. Nous, on s'est rendu compte que plus de 50% du trafic mobile achetait en fait sur desktop. Donc je dirais que mon conseil surtout, c'est de ne pas sous-peser en fait la valeur du mobile et de vraiment investir sur mobile massivement, même si effectivement le taux de conversion peut sembler plus faible. En fait, en réalité, faire de la vraie acquisition, c'est aussi aller chercher des gens, des curieux qui font d'abord leur visite sur mobile et donc de ne plus sous-peser le poids du mobile comme on pouvait le faire jusqu'à maintenant, mais de vraiment investir massivement sur ces aspects-là. Particulièrement, on utilise Facebook ou Instagram. Nous, on est dans la mode. Donc Mailnook est très présent, que ce soit sur Facebook et Instagram. Et même si effectivement les taux de conversion peuvent sembler plus faibles, avec une analyse a posteriori, on voit que souvent le parcours d'achat commence ici et se termine ensuite sur le site desktop.